L'année a été particulièrement difficile pour Laetitia Servière. La maman de 9 enfants qui s'est fait connaître dans l'émission Famille Nombreuse connaît des crises d'épilepsie. Une épreuve difficile à surmonter pour elle. Laetitia Servière et son mari Sébastien sont les heureux parents de 9 enfants. Le couple s'est fait connaître en participant à la 5e saison de Famille Nombreuse, La Vie en XXL sur TF1. Depuis, si est sur Instagram que la petite famille poursuit ses aventures. Ainsi, on avait pu découvrir les anniversaires des uns des autres, les vacances à la piscine ou encore les noces de saphir que fête ce 18 août le couple. Mais depuis le mois de juin, Laetitia se fait de plus en plus rare sur le célèbre réseau social et pour cause. Laetitia Servière, les crises d'épilepsie sont de plus en plus violentes le 9 juin dernier, elle dévoilait alors, « Vous avez peut-être remarqué que je suis peu présente depuis quelque temps car je ne sais pas faire semblant. » Et ces derniers temps, si est-il compliqué moralement. En effet, l'épilepsie qui handicape la vie de Laetitia ne semble pas se calmer, bien au contraire. Toujours pas de stabilisation. Et les crises d'épilepsie qui sont de plus en plus violentes. Tout est un cercle vicieux. Je ne vois pas le bout, écrivait-elle. Malheureusement pour elle, la situation est loin de s'apaiser puisque ce 18 août, elle s'est à nouveau saisie de son compte Instagram pour en dire un peu plus sur son état de santé. Laetitia Servière, au fond de moi si est-il l'apocalypse est le moins que l'on puisse dire, si est-il que la maman de 9 enfants a été droit au but. Obligée de tenir son rôle de mère et de faire face avec positivité pour ses enfants, Laetitia est pourtant ensevelie par la douleur. Quand il faut sourire alors qu'au fond de moi si est-il l'apocalypse, indique-t-elle en légende d'une photo sur laquelle elle apparaît avec une de ses filles. Même aujourd'hui, l'épilepsie vient me faire. Une crise ce matin. Du coup si est-il pas la grande forme. J'en ai marre, confie-t-elle avant de poursuivre, quand va-t-elle me lâcher? Si est-il déjà dur mais quand ça arrive pile poil lors de journées particulières si est-il encore plus dur, faisant référence à ses 16 ans de mariage avec son mari Sébastien mais aussi aux 5 ans de sa fille Miliana. En dépit de ses souffrances, Laetitia compte bien ne pas se laisser abattre. Positive jusqu'au bout, elle finit par conclure, « Allez, on va essayer de profiter de cette journée à fond. » The man.